Hello tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, nouveau vlog. On est le 17 décembre et un petit peu tard, mais c'est pas grave. Nous allons faire le sapin ce matin. Il doit être 10h30, un truc comme ça. J'attends Jérémy et on va y aller ensemble. J'ai rien mangé ce matin parce que franchement, bah j'ai rien à manger chez moi en vrai. Je commence à avoir faim. J'ai demandé à Jérémy de me prendre un pain au chocolat à la boulangerie. Du coup, on va faire le sapin. Normalement, j'ai des décos de Noël de l'année dernière. J'ai aucun souvenir de ce qu'on avait acheté. Donc ça va être trop cool de faire un sapin chez moi en sachant que c'est la première fois que j'en fais un ici. Donc trop bien. Avec Miso et tout, ça va être trop mignon. Oh mon dieu, quand cette vidéo sort, parce que là on est vendredi, donc elle sort samedi, je serai plus chez moi. Je pars demain. Je vous raconterai ça, je pense, à la fin de la vidéo. Mais oui, ce soir, faire des valises. Oh là là, ça ne s'arrêtera donc jamais. J'ai hâte de vous raconter. Je vais mettre mes chaussures et je vais aller rejoindre Jérémy. Il y a tellement pas de lumière, c'est tout gris dehors. J'ai mis ma fausse fourrure Pull&Bear avec ce petit sac et Jacquemus que j'avais eu en septembre, je crois, que j'aime trop et que c'est vrai que j'ai pas beaucoup l'occasion de le porter. Un jean et des baskets. Let's go, acheter un sapin. Pain au chocolat. Est-ce que j'ai le droit de le manger dans la voiture? Ouais. C'est vrai? Alors, on est au marché aux fleurs. Qu'est-ce que je prends? Quelle taille? Ils sont énormes. Bon, alors un sapin comme ça, c'est 35 euros. Bon, en vrai, je pense que cette taille, elle est bien. J'aime pas quand c'est ultra dégarni en haut là. Mais là-bas, il y en a d'autres. Non, c'est ça qu'il me faut, ouais. En taille, je pense. Et c'est déjà énorme. Lui, il est beau. Après, j'ai trop envie qu'on achète des petites fleurs. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, avant, j'achetais de temps en temps des fleurs. Et à chaque fois que j'achète des fleurs chez moi, je me sens trop bien. Donc là, j'aimerais trop, en plus du sapin, genre ça va faire une trop bonne ambiance. Mais on va voir déjà les prix des sapins. On fait des allers-retours. Franchement, je sais pas quoi choisir. On hésite parce que celui-là, il est quand même très beau. On en a vu un autre. C'est tellement dur de choisir. Tu sais jamais, genre, si c'est la bonne taille. Lui, c'est 1m50, 1m75. Je le trouve beau en vrai. Mais l'autre, il est super beau aussi. Bon, on décidé, on prend celui-là. Oh, j'ai trop hâte de le décorer et tout là. Ça sent tellement bon. Comment tu portes ça? Tu peux prendre un peu plus bas, genre. T'es pas obligé de prendre par le bas, je veux dire. Tu peux prendre par le... Je sais pas. Oh, je suis trop contente, il est trop beau. Mais pourquoi tu le prends aussi haut? Ouais, mais toi aussi. Maintenant, j'aimerais juste aller acheter un tout petit peu de fleurs parce que c'est pas très cher ici. Qui s'en rappelle la première fois que j'ai acheté des bouquets à Versailles? Un bouquet à Versailles. Combien je l'ai payé? 60 euros? Je me rappelle plus. Genre là, il y a des bouquets à 15 euros. Comment j'ai pu acheter un bouquet à 60 euros? Quand elle m'a dit le prix, je n'osais plus dire non parce qu'elle m'avait tout préparé et tout. Genre, je m'étais dit, bah c'est parce que j'achète jamais de fleurs. En fait, c'est ça le prix. Et c'est pour ça que personne n'achète jamais de fleurs. Mais en fait, non, je me suis juste fait avoir. Eux, ils sont beaux, non? Comme ça. Ça y est, on a notre sapin et des fleurs. Ok, let's go chercher les guirlandes. Tu sais où elles sont? Elles sont où? Chez ma grand-mère. Ah ouais? Eh oui. Oh oh. Bah, let's go chez la grand-mère. Ouais. Ça y est, mon sapin. Je sais pas où le mettre. En fait, je pense qu'on va enlever la litière de Miso ici et on va le mettre genre là. Parce que ici, il y a pas de place et dans la chambre, bah, je préfère qu'il soit ici. Ok, attendez, il faut que je mette ma tenue de Noël. Regardez, Miso, il dort dans le dressing tout le temps. Il sait pas encore qu'il y a un sapin. T'es pas venu voir? J'ai une tenue de Noël. Par contre, le bas, il est genre super large. C'est trop moche. Je l'ai jamais mis encore. Tadam! Je suis prête à faire le sapin. Le pantalon, il est horriblement large, mais je m'en fiche. Et voilà. En vrai, il est bien. Ouais, parfait. On va essayer de faire un sapin un petit peu plus beau que celui de New York. En même temps, ça va pas être compliqué. On a un problème de guirlande. En fait, on en a que deux. Et genre, il y en a une qui est pas très grande. Donc, je pense qu'il faudra en racheter. C'est un peu galère. Bon, du coup, on a que pour le haut pour l'instant. Et on n'a pas pour le bas. On pensait en avoir assez, mais pas du tout. Sauf que du coup, ça craint parce qu'on peut pas mettre les boules encore. Je pense qu'on va aller en acheter vite fait. Et après, continuer. Jérémy est parti acheter une guirlande. Et du coup, il s'est pris un truc à manger au passage. Et moi, je viens de me faire un ramen qu'on a acheté hier. C'est la première fois que je goûte un ramen comme ça. Genre, c'est censé être un vrai ramen instantané. On va voir si c'est bon. J'ai pris la version spicy. Je peux plus les voir, ces plaies. Je suis désolée, c'est horrible. Je vais essayer de trouver une solution. Franchement c'est bon hein. Franchement c'est bon, c'est pas un ramen, genre un vrai ramen, mais c'est plutôt pas mal. Et je regarde le vlog de Marion Caméléon en même temps. Il est 14h56. Bon, du coup on a des nouvelles guirlandes, je vais les mettre. Franchement c'est trop beau. On met les boules. On a plein de trucs. Ce sera un sapin tout doré. C'est ce que je préfère perso. Et maintenant, dernière étape. Ça va pas rentrer. Ah ouais, comme d'hab, on va y aller.
Oh là là. Oh là là, trop sympa. Waouh. Et voilà notre sapin, il est trop cool, je suis grave contente. Et je pense qu'avant de continuer d'essayer de faire des petites décos, des petits trucs, on va essayer de se déterre à ranger tout l'appartement. Parce que moi ça me stresse, genre là c'est le bordel partout. Et après je pense qu'on sortira acheter des nouveaux, je sais pas. En vrai j'aimerais bien genre décorer un petit peu plus que juste faire un sapin. Peut-être mettre des guirlandes ou acheter des tasses de Noël, j'en sais rien, trouver des trucs. A tout à l'heure. Oh mon dieu, vous savez pas ce qui s'est passé. Quand je vous dis qu'on a rangé pendant genre 3 heures, Jérémy il m'a tellement aidée. Je suis trop contente, c'est trop gentil. Mon appart c'est plus même appart. Déjà on a enlevé les plaids parce que moi je peux plus. Quand je le vois à la caméra c'est je déteste. Donc là en fait juste après je vais sortir, je vais aller chez Bouchara et je vais essayer d'acheter des plaids unis que je puisse mettre de partout. En fait je mets des plaids parce que Miso sinon il fait ses griffes et comme il est malade il bave et tout, enfin j'ai pas forcément envie qu'il tâche le canapé. Donc je préfère mettre des plaids comme ça il peut être tranquille. Là il y a toute la vaisselle qui est faite, le bureau avec les fleurs, le beau sapin, l'aspirateur qui est en train de charger. Après je vais passer pour tout enlever, même la table il n'y a plus rien. En fait j'essaie de faire une petite déco, sauf que là j'ai rien pour l'accrocher, mais j'aimerais bien l'accrocher tout autour du miroir. Et là dans la chambre c'est pareil, j'ai fait des sacs, donc il y a ça c'est des colis que je viens de recevoir, ça c'est pour une copine, ça c'est pour ma mère, ça c'est pour de la famille, ça c'est mon linge sale. Mais voilà il n'y a plus rien, j'ai rangé tout mon dressing. Attendez je vais allumer la lumière. En fait j'ai pas trié forcément ce qu'il y a dans les tiroirs, mais par exemple genre là tous mes sous-vêtements je trouve ça trop satisfaisant, tout est bien. Ah oui je vous ai pas dit, on a installé du coup le tiroir à bijoux, j'ai tout bien rangé, ça fait trop beau, j'aime trop le résultat. Ça c'est un cadeau pour ma grand-mère parce que je l'avais reçu mais au final je le mets pas tant que ça, donc je vais lui offrir. D'ailleurs je vais vous expliquer parce que demain ça faut vraiment en parler à la fin de la vidéo je vous jure. J'ai tout rangé, là j'ai mis mes sacs, j'ai toujours rêvé d'avoir un truc comme ça. Là j'ai tout nettoyé, j'ai aussi rangé mes produits, j'ai fait le tri, ça fait vraiment trop du bien. Donc je pense que là je vais changer de tenue et je vais aller chez Bouchara voir s'il y a des petits trucs de Noël, des plaids, des petits trucs en plus, ça serait trop cool. À la recherche d'un plaid, j'ai trop envie d'un plaid genre un peu en mode fourrure, genre beige. Oh là, c'est exactement ça que je veux. Franchement, ils sont pas mal, c'est un truc gros. Bon, du coup, j'hésite entre celui-là et celui-là. En fait, celui-là, il est moins cher, mais pour le coup, j'ai vraiment envie de genre d'un peu investir dans des bons plaids. Bon, en fait, c'est trop petit si j'en prends deux parce que c'est le canapé est trop grand, mais du coup là, je peux pas en prendre trois, enfin, c'est abusé. Donc, je sais pas trop quoi faire. J'aime bien celui-là aussi. Deux géants, en fait. Il n'y en a pas d'autres qui me plaisent. Du coup, c'est un fail pour ces histoires de plaids. Je pense c'est un peu cher pour pas grand-chose. On essaiera dans les prochains vlogs d'en trouver ailleurs. C'est la mission et il faut faire ça vite d'ailleurs parce que là, Niso, il va me tuer mon canapé. Là, je vais juste aller chez Monoprix pour essayer de trouver des petits trucs, je sais pas, genre du chocolat chaud, des chamallows, genre je veux un truc de Noël. Là, là, c'est tout ce qu'on veut. J'aimais trop le poulain quand j'étais petite. Des oursons avec des guimauves. C'est l'heure du haul, je viens de rentrer. Du coup chez Bouchara on a quand même acheté un truc. On a acheté ça pour Miso et je vais le mettre dans le dressing. Vous avez vu où il s'installe, on va lui mettre là pour voir s'il aime. Chez Monoprix j'ai quand même acheté les guimauves, des oursons. Est-ce que j'ai besoin de m'exprimer à ce sujet? Non. Et du chocolat. Miso, j'ai un panier pour toi. C'est plus joli comme ça dans mon dressing et ça sera plus confortable. Oh, je crois que j'ai oublié de vous montrer que j'avais mis une petite guirlande ici. Je trouve ça trop mignon. J'ai allumé une petite bougie pour mettre dans le mood et je viens de faire chauffer de l'eau. Je vous dirais de dire pour mettre dans le mood d'ailleurs. Je me fais une tisane de nuit et là, il faut que je vous parle de ce qui se passe ce week-end. Et je vais être honnête avec vous, je viens de manger. Je pense que le chocolat chaud, ça sera pas pour ce soir parce que là, j'ai trop mal au ventre, j'ai trop mangé. Demain, je me réveille à 5h, j'ai un vol à 7h, je m'envole à Cannes pour faire une surprise à mon père. Pour ceux qui savent pas, mon père habite à Cannes et je vais lui faire une surprise parce que j'ai des parents qui sont séparés, donc tous les ans où est-ce que je fête Noël avec mon père, avec ma mère, c'est très chiant. Et donc cette année je fête avec ma mère, mais j'ai décidé d'aller voir mon père, de lui faire une petite surprise avant Noël. Alors c'était absolument pas prévu, en fait j'avais des billets d'avion que j'avais réservés il y a longtemps et j'avais pas pu y aller. Et quand je suis rentrée de New York j'ai reçu une notification parce que j'avais déplacé le vol à une date au hasard. Je m'étais dit je vais mettre une date, de toute façon je savais que je pourrais redéplacer et ça tombait à cette période. Et après je me suis dit mais en fait pourquoi est-ce que j'ai
j'irai pas à Cannes. Genre ça serait incroyable. Et donc j'ai prévu ça. Je vous explique, c'est ma tante qui vient me chercher à l'aéroport. J'ai prévenu ma grand-mère, je lui ai donné une mission. Je lui ai dit samedi midi t'invites papa à venir manger à la maison. Tu lui dis juste viens manger à la maison. Elle m'a dit ok pas de problème, ma vieille mémé. Et donc mon père n'est pas au courant, demain je filmerai tout ça. On va lui faire la surprise. Je vais passer le week-end avec lui, donc j'arrive samedi matin et je repars dimanche soir. Ça va être assez court mais quand même assez pour profiter. Franchement j'ai trop hâte de tout vous vloguer. Là, là maintenant tout de suite là. En attendant que cette tisane refroidisse, je veux que quand cette tisane commence à refroidir, j'ai terminé ma valise. On va faire une valise là comme ça. Je suis dans là. Je suis tellement dans la mer. Là on est sur une situation de crise. Première étape, voir quel temps il fait à Cannes. Ok. Pff. Non mais c'est l'hiver ou pas là-bas? Demain il fait 15 degrés et dimanche il fait 14 degrés, grand soleil toute la journée. Pas de problème, ça me va. Je pense avoir trouvé, du coup j'ai préparé ma tenue pour demain. Juste là, j'ai pris juste un jean avec un pull, avec mes petits bijoux. Là j'ai pris pour le deuxième jour un col roulé beige avec un pantalon noir. J'ai pris un pyjama, ça c'est un cadeau pour ma grand-mère, c'est un parfum. Je vais prendre ce manteau que je mettrai les deux jours. Et là j'ai commencé à préparer une trousse de toilette. Donc j'ai pris une miniature d'un nettoyant pour le visage. C'est un Clinique que je prends souvent pour les voyages quand j'ai qu'un bagage à main. Et j'ai pris trois miniatures que j'avais de Rank Elephant. Donc il y a un sérum hydratant, une crème contour des yeux, une huile pour le visage. Donc ça peut me faire matin et soir à chaque fois. Il y a mon déodorant. Et en fait là j'ai tout mon maquillage. Et donc ce que je vais faire c'est que demain je mettrai tout ce dont j'ai besoin dans ma trousse de toilette, parce que je me maquillerai avant de partir avec ma brosse à dents. Et je m'achèterai du démaquillant sur place. Je m'achèterai ce démaquillant là qui est trop cool, mais je l'achèterai en miniature vu que j'ai pas le droit à plus de 100 ml. Et je pense que j'ai rien oublié, je suis pas trop sûre j'avoue, mais j'espère. Je vais prendre ce parfum Valentino parce qu'il est en petit. Je vais le mettre là comme ça, demain matin j'en mets. Et après je vais me prendre un sac à main où dedans je vais mettre mon ordinateur, mes chargeurs de caméra, chargeur d'ordinateur, chargeur d'iPhone, les cartes SD, tous les trucs pour filmer, ma caméra. Et voilà, je pense que ça du coup je le ferai demain matin parce que là je vais bosser. Écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog vous a plu, cette petite ambiance de Noël. C'est pas terminé, croyez-moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas déjà fait. Je poste une vidéo par jour pendant tout le mois de décembre pour les vlogmas. Et activez les notifs pour pas les louper. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, je suis active tous les jours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à demain 19h dans une prochaine vidéo. Mmh.